Quelle est la commune de la province de Barcelone? Nous sommes en Espagne, donc effectivement, dans la région du Maresme, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Barcelone, pour vivre la cinquième édition du Challenge Barcelone Full Distance au programme, Cyril. Une épreuve qui a le mérite de permettre à ceux qui veulent courir un Ironman en fin d'année sportive de le faire dans des conditions souvent agréables. Les conditions sont agréables, on est au bord de la Méditerranée, l'eau est bonne, la température est très agréable également. C'est vrai que pour les athlètes qui veulent se tester sur la distance Ironman, il y a un double intérêt puisqu'on est en fin de saison, donc logiquement on doit être prêt. On a eu toute la saison pour bien se préparer, tout le printemps, tout l'été. Et puis le triathlon propose un parcours vélo pas très difficile, même très très roulant. Donc pour ceux qui veulent faire un peu de vitesse en vélo, c'est intéressant parce que vous allez le voir, c'est un parcours qui est en vélo essentiellement fait de longues lignes droites. La mise en place de l'avant-course. C'est une signature challenge, toujours accorder du temps aux compétiteurs, une passe à partie dans des conditions avec mise en scène, avec effectivement artistes, voire participation des athlètes, comme c'est le cas fréquemment. Ça, ce sont effectivement des détails que vous ne trouverez pas ailleurs. Ouais, ça c'est la signature en effet challenge, c'est très convivial, on l'a vu, il y a la pasta party, un peu de musique où les athlètes peuvent même pourquoi pas s'essayer. C'est intéressant la pasta party parce que ça permet d'échanger, ça permet de discuter entre athlètes de sa préparation, de la forme du moment, pourquoi pas de tests matériels ou autres. Donc voilà, c'est souvent l'avant-veille de l'épreuve, donc ça permet à chacun d'échanger et de prendre des informations. La douceur. Le jour qui progressivement se lève, on est dans l'aire de transition, vous connaissez le périmètre, les habitudes. Et tout doucement, on va s'installer dans sa journée qui va effectivement être un tout petit peu longue. Alors on prévoit des conditions de course agréables pendant une grande partie de cette journée, avec peut-être un petit risque de pluie dans l'après-midi sur la course à pied. Ouais, peut-être ça va permettre à certains de pourquoi pas mieux finir l'épreuve, parce que c'est vrai que quand il fait très très chaud en course à pied, c'est compliqué, surtout qu'il y a très très peu d'ombre sur le parcours course à pied ici à Barcelone. On le voit là, donc on est dans l'avant-course, hein, on est en train de préparer son vélo, mettre la boisson énergétique, on le voit, hein, tous les visages sont un peu tendus, c'est normal, hein, quelques minutes avant un Ironman, on est toujours un peu inquiet, savoir si on est prêt, si la partie natation va bien se passer, parce que souvent, on le voit chez les athlètes amateurs, la grande difficulté, c'est avant tout la natation, il faut éviter de prendre des coups, et puis sortir de l'eau dans le temps limite qui est donné. On a vu certains vélos qui étaient sacrément équipés, les frigos étaient pleins. Ouais, les frigos étaient pleins, en effet, hein, il faut apporter de quoi se nourrir, de quoi manger, même si on le sait, sur les ravitaillements, en général, c'est assez conséquent. Mais voilà, les athlètes, même chez les amateurs, ils sont habitués à certains produits énergétiques et ils aiment bien avoir ces produits-là en course. Est-ce que c'est pas important de, malgré tout, dire que porter du poids, alors c'est vrai qu'on n'est pas non plus pour certains dans une logique de performance, c'est-à-dire de podium, mais on a tous envie de bien terminer, de faire un temps. Est-ce que c'est indispensable de se charger comme ça? Bon, avant de dire on porte du poids, on porte avant tout du confort, parce que c'est vrai que quand on est habitué à une marque de boisson, quand on la prend régulièrement à l'entraînement, si jamais on change le jour de la course, qu'on soit professionnel ou amateur, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes gastriques et ça serait quand même dommage de louper son épreuve, de passer à côté autant de temps de préparation, tout ça à cause d'une boisson énergétique mal dosée ou une boisson énergétique qu'on n'est pas bien, voire un gel ou pourquoi pas même une barre énergétique. Donc voilà, il est préférable peut-être d'être un peu plus lourd, mais d'être dans le confort. 3800 mètres, pas de surprise pour ce qui concerne les distances à parcourir. Le dessin de la natation est plutôt sympa aussi, parce que les nageurs vont longer certes la plage, mais c'est surtout pour les spectateurs, parce que là ils ont une tribune naturelle qui leur permet de suivre précisément la progression de ces compétiteurs. Ouais, ils peuvent même suivre tranquillement à pied la natation. Alors tranquillement, ça dépend qui on suit, bien évidemment. La grande difficulté, mais visiblement elle n'est pas d'actualité aujourd'hui, c'est de passer cette première barre de vague, mais il n'y en a pas au moment du départ ici à Barcelone.
au moment de la course, donc c'est plutôt intéressant. Et puis les nageurs après vont longer la côte, et ça va être agréable pour les nageurs, mais aussi pour les spectateurs en effet. Alors plusieurs départs au programme, les messieurs, les dames, chez les professionnels, et puis après effectivement rebelote avec les groupes d'âge, avec les relais, avec les handisports. Enfin bref, encore une fois, on essaye, la série Challenge essaye de donner un maximum de chance à tous ceux qui se sont engagés sur ces distances pour qu'ils parviennent à réaliser leur objectif. Ouais, une succession de départs un peu à l'image de ce qui se passe à Roth en Allemagne. Hein, Roth, c'est le tout début de l'ère Challenge, de l'histoire de Challenge, pardon. Puisqu'à Roth, je crois qu'il y a 26 ou 27 vagues de départ. Donc là, on le voit, hein, donc une succession de vagues de départ, ce qui permet à chacun de prendre ses marques et d'éviter de prendre trop de coups. Parce que c'est vrai que on le voit des fois sur des triathlons où il y a plus de 2000 athlètes qui partent en même temps. C'est difficile de faire sa place. Alors l'épreuve, elle a eu lieu au début du mois d'octobre, fin de la première semaine d'octobre. Donc vous imaginez bien que les plus représentatifs triathlètes internationaux ne sont pas forcément à Barcelone. Ceux qui effectivement ont envie de réaliser une perf, ils sont de l'autre côté de la planète. Mais il n'empêche que ici à Barcelone, il y a une épreuve, qu'elle est plutôt agréable, qu'elle est accessible et qu'elle est en plus support du championnat d'Espagne de cette distance full Ironman. Donc il y aura beaucoup d'Espagnols, tant chez ces messieurs, chez ces dames. Quelques athlètes dont les noms sonnent à vos oreilles, comme notamment Constantin Bachor, l'Allemand, comme Anton Blokhin, l'Ukrainien, comme Tom Lowe, le Britannique, ou encore une fois, Lucie Reed, Zelenkova Reed en l'occurrence, Eva Vouti, Tina Bowman. Enfin bref, des athlètes qu'on a eu l'habitude de croiser ailleurs et qui ont d'autres ambitions que de finir leur saison forcément à Kona. Il y a aussi d'autres possibilités de courir ailleurs. Oui, c'est intéressant pour ces athlètes parce qu'en effet, on a parlé des athlètes qui sont à Hawaï. Maintenant, il faut savoir que pour se qualifier à Hawaï, c'est plus comme avant où on allait chercher sa qualif sur une épreuve sous forme de slot, ce qui reste le cas pour les amateurs. Chez les professionnels, il y a un ranking et puis seulement les 50 premiers de ce ranking peuvent participer à la finale à Hawaï. Donc tout le monde ne peut pas y aller et ça permet justement à ces athlètes de venir sur ce genre d'épreuve, d'acquérir de l'expérience. D'engranger la distance dans les pattes, dans les bras, et puis pourquoi pas par la suite aller chercher des points sur la distance, sur des courses plus importantes pour se qualifier pour Hawaï. Alors sortie de l'eau, allez, les premiers et les premières ont mis le nez en dehors de la Méditerranée. Le premier de ces messieurs, c'est Henrik Heldelund, le Danois, 51-26, devant Victor Manuel González, 51-28, ensuite il y a Andreas Nidrig, que vous connaissez, Anton Blokhin, Constantin Bachor, Sean Donnelly, quasiment dans le même temps. Constantin Bachor, qu'il faudra surveiller de près sur ce parcours très roulant, parcours cycliste en aller-retour, avec deux allers-retours plus longs que le dernier, Cyril, et qui peut permettre aux Uber cyclistes, comme on les appelle, de faire la différence. Ouais, on le voit, hein, c'est un parcours. Alors là, c'est pas dans les virages qui vont chuter parce que c'est quasiment que des lignes droites. Alors faudra faire attention quand même parce qu'il y a quelques ronds-points, quelques interceptions. Mais voilà, c'est un parcours très 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 roulant avec, vous allez le voir, des athlètes qui vont rester en position aérodynamique quasiment tout le long du parcours. Alors vous l'aurez remarqué, un départ depuis qu'elle est là, c'est normal. Deux demi-tours consécutifs à hauteur de Mangat, un tout petit peu plus loin. On aura couvert grosso modo la distance de 130 km. Il restera un petit aller-retour à effectuer entre, en l'occurrence, Calella et la ville de Lavanneres, pardon, je crois. Et puis on aura atteint donc les 180 km. Au programme de la journée. Chez ces messieurs, je vous ai donné les temps. Chez ces dames, la première à être sortie de l'eau, c'est pas une surprise, hein, c'est Lucie Zelenkova Reed, qui désormais depuis très longtemps réside en Afrique du Sud et coach, et puis s'inscrit et participe encore régulièrement à des épreuves. On la trouve surtout, encore une fois, en Afrique du Sud, sur le Half Ironman ou l'Ironman, puisque cette année, notamment, Lucie Reed a terminé 3e de l'Half Ironman d'Afrique du Sud et 3e de l'Ironman d'Afrique du Sud. Deuxième position à la sortie de l'eau, Eva Vouti. Dis donc, Eva Vouti, elle sort en 1h02.39, c'est-à-dire elle sort 6 minutes 30 derrière le Cyril. Troisième position pour Yvette Grice, quatrième position pour Tina Bowman. Casque profilé, vous allez en voir un certain nombre, roulant titulaire pour certains ou certaines.
l'occasion de vérifier les équipements, mais surtout aussi les habitudes, parce qu'il faut bien respecter les règles, ne pas m'enfourcher le vélo trop tôt. Il faut franchir la ligne de départ. C'était le cas pour Raël Beniga, la néerlandaise. Et puis on vient de voir à l'instant Vanessa Pereira, la portugaise. Gros plan sur Constantin Bachor, vous avez vite compris. Ouais, Constantin Bachor qui, voilà, c'est un parcours qui devrait lui convenir. Hein. On le voit, un athlète très très puissant, donc il va pouvoir emmener du braquet, essayer de, sur cette partie cycliste, prendre un maximum d'avance pour ensuite, pourquoi pas, être un peu plus à l'aise sur le marathon. Seulement, il y a de la concurrence derrière et ça ne va pas être facile. Alors, il a pris la tête très vite, Constantin Bachor. Il comptait à la sortie de l'eau un peu moins d'une minute de retard sur Henrik Heidelund. Donc, autant dire qu'à l'occasion de ce premier aller dessiné sur le parcours cycliste, il a vite fait son retard, refait son retard. Et c'est un groupe de 5, donc Bachor, Blokin, Donnelly, Nidrig et Heidelund qui, pour l'instant, composent cette première partie de course chez ces messieurs. Elle, de son côté, Lucie Reed est tranquille, seule. C'est une difficulté justement de pouvoir concourir sans l'aide des autres, même si encore une fois il faut respecter l'absence de drafting, mais c'est quand même plus compliqué. C'est plus compliqué, mais bon, elle a un peu l'habitude, hein, Lucie. C'est une excellente nageuse, on l'a souvent vu sortir en tête de l'eau, voire des fois taquiner un peu les garçons en natation, donc elle a l'habitude de se retrouver un peu toute seule en tête. Maintenant, voilà, il faut être fort mentalement parce que quand l'adversité est loin derrière, c'est pas forcément évident. Ça y est, il a creusé l'écart, vous l'avez vérifié comme nous, Constantin Bachor, à la faveur des premiers kilomètres, l'Allemand, policier dans le civil, qui a pris cette année une sixième place à Roth, donc c'est quand même à noter, hein, qui a terminé aussi deuxième du challenge Aarhus, troisième du challenge de Fuerteventura. Et il a pour l'instant les cartes entre les mains et le parcours approprié pour essayer de faire un maximum de distance et surtout creuser un maximum d'écart avec ses poursuivants immédiats. Ouais, il a tout intérêt, hein. On l'avait vu à Roth, hein, et il avait fait 6e mais il avait un peu craqué en course à pied, donc voilà, il a tout intérêt. C'est son point faible. C'est son point faible. Quand on le voit, on n'est pas non plus très très surpris, hein. C'est un athlète voilà, très 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 musclé, très lourd du haut du corps. Voilà, il a tout intérêt à essayer de prendre maximum d'avance, surtout qu'on le sait, hein, les Espagnols, les Portugais derrière, ça court très très vite. Gros plan sur Eva Bouti, l'Autrichienne du team Erdinger, récemment première, donc vainqueur du nouveau Ironman de Copenhague. Là aussi, on parle de la série Challenge, de la série Ironman, et que ce soit en Australie, que ce soit au Danemark, que ce soit au Canada, on est venu régulièrement se piquer une épreuve pendant que l'un s'attardait sur l'Australie, l'autre réagissait sur le Canada. Et bref, il y a des épreuves qui ont changé de label, qui restent des distances Ironman, mais qui entre-temps ont connu des organisateurs différents. Voilà, des organisateurs différents, des labels différents, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça. Quand on parle d'Ironman, on parle de full distance maintenant, Ironman étant une marque déposée et à son propre circuit et qui fait office un peu de, entre guillemets, de championnat du monde Ironman avec la finale à Hawaï, la série Challenge étant différente même si les distances sont les mêmes. 114, Lucie Reed avec un de ces casques qu'on croise régulièrement sur les courses. Fini les casques entre guillemets complètement profilés, ceux-là sont tout aussi efficaces, voire même plus efficaces, mais surtout beaucoup plus aérés. Ce qui est important quand on a comme ça quelques heures de vélo à effectuer, c'est important de pouvoir avoir la tête régulièrement soulagée par l'air qui passe. Ouais, c'est vrai qu'on a vu des fois sous forte chaleur avoir des casques profilés, pas d'aération, à l'image un peu de ce que l'on voit là. Donc, voilà, les athlètes maintenant ont un peu plus de choix. Ils peuvent soit en effet rester sur ce style de casque, soit avoir maintenant des casques qui permettent quand même une aération beaucoup plus importante. On a vu quelques athlètes régulièrement essayer de se mettre un tout petit peu d'eau sur le crâne avec un casque profilé. C'est pas forcément très efficace. Ben non, ça marche pas très bien. Les longues lignes droites, je dirais presque un tout petit peu monotone, mais c'est aussi la particularité de cette épreuve, c'est qu'elle est accessible, c'est qu'il n'y a pas de difficulté. Je crois que la principale bosse, elle fera grosso modo 25 mètres de haut, donc rien qui ne puisse modifier en quoi que ce soit votre confort, simplement faire preuve de patience.
essayer de rester concentré, c'est toute la difficulté lorsque justement vous avez ce type de tracé. C'est pas évident hein, sur ce style de tracé parce que voilà, on est dans une allure, on est sur un rythme, par moments ça va très très vite, donc on est plutôt même, on dirait même presque euphorique. On oublie pourquoi pas un poste de ravitaillement, on oublie de s'alimenter et puis une fois qu'on commence à être dans le dur, et ben voilà, le parcours qui était agréable devient vite lassant, monotone et c'est là où on rentre vraiment dans la difficulté d'un parcours, quasiment aussi plat. Tous ces amateurs, ils étaient à peu près, un peu plus de 1600 au départ de cette cinquième édition du Challenge Barcelone. Donc maintenant, avec l'antériorité, la notoriété de l'épreuve, pas étonnant qu'il y ait autant d'inscrits. Encore une fois, il s'agit là, au début du mois d'octobre, de venir profiter des dernières douceurs de cet été indien. Et c'est d'autant plus agréable et facile, surtout, lorsque l'on passe la frontière franco-espagnole, de vivre ces instants-là. L'hydratation, très important. La tête de course avec le casque bleu. Constantin Bachor, quasiment depuis les premiers kilomètres. Et pour l'instant, il essaye d'empiler les minutes qui le sépareront à hauteur de la deuxième transition, qui le sépareront de ses poursuivants immédiats comme Yatsky, comme Marquez, comme Tom Lowe notamment. On va pouvoir vérifier ça dans quelques poignées de secondes. Derrière, on essaye de rester dans les roues les uns des autres, de s'organiser et surtout de ne pas en plus ajouter de minutes aux minutes déjà existantes entre Constantin Bachor et les poursuivants immédiats. La fameuse voie ferrée qui vous permet facilement de vous repérer. Et le dernier demi-tour avant de suivre la transition des premiers athlètes et notamment celle de Constantin Bachor, l'Allemand en tête de la course depuis quasiment la sortie de l'eau. On va marquer une petite pause et dans une poignée de secondes, nous serons de retour ici à Calella dans la province de Barcelone. A tout de suite. Elle domine pour l'instant de la tête et des épaules cette cinquième édition du Challenge de Barcelone. Lucie Reed, dossard 114, elle est sortie de l'eau après 56 minutes et 7 secondes d'effort. Elle comptait précisément 6 minutes 32 d'avance sur sa principale rivale, l'Autrichienne Eva Vouti. Elle ne donne pas de sentiment de forcer quand même. Hein. Non, elle est, la course est longue, donc elle gère son effort. Elle essaye de gérer aussi son avance pour pas trop puiser dans ses réserves pour le marathon. Hein. La course est longue, hein, très très longue, hein, on l'a dit, hein, les parcours plats comme ça, rectiligne, mis à part que voilà, les athlètes sont quand même souvent groupés chez les amateurs, chez les professionnels, on le voit, hein, ils sont quand même assez esselés. Et voilà, la course est très très longue, donc il faut bien gérer son effort et je pense que Lucie est en train d'essayer de gérer au mieux pour pouvoir bien partir sur le marathon. Et derrière, Eva Vouti, toujours en deuxième position, a quand même gagné de précieuses minutes parce que là, elle se rapproche, elle est à moins de 3 minutes désormais de la tête de course. Transition effectuée chez ces messieurs, on a vu Constantin Bachor, la deuxième position à ce moment précis, elle est justement occupée par cet homme qu'on va passer, Sean Donnelly, dossard numéro 32, derrière il y a Niklas Bloch, l'Allemand, avec le 37, le dossard 31 qu'on vient de voir à l'instant, c'est Andrei Latsky, le Russe. Mais ce qui est intéressant à noter, Cyril, c'est que Constantin Bachor, il a fait un vélo en 4 heures, 14 minutes et 16 secondes. Ouais, donc c'est très très rapide, hein. On l'avait dit, hein, c'est un parcours pour ceux qui aiment la vitesse, ceux qui veulent essayer de faire un temps sur le vélo, ben voilà, c'est un parcours qui s'y prête. 4h14, hein, pour info, à référence, 4h30, c'est 40 km/h de moyenne. Le voici, Constantin Bachor, vous l'aurez aussi compris, son style sur marathon laisse, non pas à désirer, mais laisse quelques opportunités possibles à ses rivaux, même si derrière, entre Bachor et les principaux poursuivants, au moment d'attaquer le marathon, il y avait 14 minutes. Donc 14 minutes,
c'est déjà pas mal, mais bon, il suffit de voir la foulée de Bachor pour se dire que c'est peut-être pas suffisant en tout cas. C'est pas mal, s'il reste sur ce rythme-là, ça va être compliqué, donc il va falloir qu'il rentre un peu dans sa course à pied s'il veut pas revenir sur lui un Espagnol qui certes aura fait le vélo beaucoup moins rapidement, mais qui est capable de courir le marathon largement en dessous de 3 heures, donc il faudra être vigilant. Alors, le parcours pédestre, on parlait de compliqué, et même s'il est totalement plat, qu'il est composé de 4 allers-retours, il est lui aussi très difficile parce que tout simplement il faut rester dans sa bulle, ne pas se laisser happer par les spectateurs autour, ne pas se laisser distraire par les temps et les positions des rivaux. Donc bref, pour ce qui concerne Constantin Bachor, il va falloir être sacrément costaud. Hein. Ouais, il faut être costaud hein, parce qu'on l'a dit, hein, les Espagnols, les Portugais, ça court très très vite. Même s'il a pris 14 minutes en vélo, admettons qu'il court le marathon en 3h, 3h05, ce qui reste un temps quand même assez honorable, même très très bon. Derrière, voir un Espagnol courir en moins de 2,50, c'est pas une surprise non plus. Un Espagnol, un Portugais, et celui dont on se méfie, c'est Sergio Marquez, le Portugais qui jusqu'à présent est un des rares athlètes à pouvoir courir en moins de 2,45 et s'approcher des 2,40 surtout. S'approcher des 2,40 régulièrement. Donc 2,40 comme ça, ça paraît pas grand chose, mais c'est extrêmement rapide, c'est beaucoup plus que 15 à l'heure, c'est presque 16 à l'heure. C'est très rapide et comme on le dit, hein, sur un marathon après 180 km de vélo, quand vous faites le marathon en 3 heures, c'est déjà un bon temps, mais si jamais il y a un adversaire qui fait 2,40, ça fait 20 minutes, ce qui veut dire qu'en vélo, il faut quand même prendre beaucoup d'avance pour être compétitif par rapport à ces athlètes qui courent très vite. Alors voilà, on est en train de vivre les derniers tracés offerts justement pour visualiser le parcours pédestre qui est tout aussi long, cette démonstration est tout aussi longue quasiment ou presque que le parcours à réaliser. C'est terminé pour enfin atteindre le kilomètre 42. Et juste une info, Sergio Marquez, le Portugais, lui, il a posé son vélo après 5h24 minutes et 30 secondes d'effort, c'est-à-dire qu'il compte précisément 15 minutes 30 de retard sur Constantin Bachor en tête de course qui est en train de souffrir et de vivre sa compétition dans des conditions qui ont évolué puisque la pluie a fait son apparition. Ouais, la pluie est arrivée sur la banlieue de Barcelone. Hein, Enfin, c'est pas très très gênant là pour les athlètes parce que voilà, il fait pas froid. Au contraire, il y en a même certains qui ça va rafraîchir et pourquoi pas courir dans des meilleures conditions. Sergio Marquez, le Portugais, c'est lui en jaune avec le petit bandeau sur le crâne. Et vous avez remarqué, il y a quand même une différence en termes d'attitude. Hein. Ouais, une différence d'allure, une différence de position. Il a les épaules bien en avant, le buste en avant. Qui lui donne de la vitesse, on le voit aller chercher à chaque fois son appui pour essayer d'aller le plus loin, le plus vite possible. Alors ils ont pour l'instant repris largement le temps qu'il les séparait de Constantin Bachor et le deuxième, on voit effectivement Sergio Marquez, on a vu tout à l'heure avec le haut ouvert, c'est l'anglais Tom Lowe. Et ce sont les deux principaux pour l'instant triathlètes qui animent cette tête de course, puisque dans les deux cas, ils sont effectivement arrivés à plus de 15 minutes de Bachor, mais leur temps régulier réalisé sur marathon leur permet d'augurer une place sur le podium. Ouais, mais Constantin Bachor, il est pas mal à pied, hein, et bon, il résiste comme il peut à l'allure du Portugais, mais voilà, il a eu un des premiers kilomètres compliqués, et voilà, ça va mieux après avec cette petite averse qui lui a certainement fait du bien. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour garder cette première place? Ça va être compliqué. Lucie Riedzelenkova, elle est arrivée dans l'aire de transition après 5h49 minutes et 30 secondes. Elle comptait 2 minutes 40 d'avance sur Eva Vouti. Et elle comptait surtout 21 minutes d'avance sur la troisième, Tina Baumann. Donc ça veut dire que Eva Vouti, qui avait un peu plus de 6 minutes de retard à la sortie de l'eau, on a gommé une grande partie. Attention, parce que la course à pied n'est pas le fort non plus de Lucie Zinikova, Lucie Reed en l'occurrence. Ouais, Lucie qui a plus de mal en course à pied, ça va être compliqué. Bon, 3 minutes, en effet, la course est ouverte. Même si chez les garçons, on l'a dit, hein, les écarts étaient importants. Il faut se méfier des coureurs à pied. Et, par contre, chez les filles, en effet, ça reste très intéressant pour la première et la deuxième place. Il a le sourire, il est en tête de la compétition, Sergio Marquez, le Portugais, lui qui a pris récemment une 17e place lors du Challenge Vichy, mais il avait en l'occurrence une intestine, une, comment dit-on, une
Intoxication pardon, alimentaire la veille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 12e des championnats d'Europe longue distance en 2013. Il a fait une deuxième place lors du tri de Guadalajara en Espagne le 8 septembre, donc un mois avant cette compétition. Il a pris aussi une 7e place à Rhodes cette année, hein. Pas mal du tout. Et là, il se dirige donc, a priori, vers un podium et peut-être une première place. Lucie Reed devant Eva Vouti. Oula, c'est une guerre d'usure là. Ouais, on la voit, hein. Lucie. Elle n'est pas bien, elle n'a pas le sourire. Bon, normal, elle est en train de perdre la première place, mais on la sent en grande difficulté. Et je pense que pour Eva Vouti, ça va être. Il suffit qu'elle accélère un tout petit peu pour laisser Lucie un peu sur place. La pluie a disparu, le soleil de nouveau fait son apparition. Et la lutte en tête de la course féminine se poursuit. On est à hauteur du 25e kilomètre. Eva Vouti est bien dans la foulée de Lucie Reed et elle attend que ça se passe. Ça va forcément se passer. Ouais, elle est intelligente, elle est revenue. Elle n'a pas cherché à la passer tout de suite. Elle s'est dit, voilà, on n'est qu'au 20-25e kilomètre. Il y a encore pas mal de kilomètres. Je vais rester sur ce rythme-là, me caler un peu dans la foulée, me protéger. Je vais laisser Lucie faire le rythme. Je suis bien sur ce rythme là et puis au moment où il faudra accélérer je ferai pourquoi pas une petite accélération pour voir si Lucie est capable de répondre. Tina Bowman en troisième position, un petit peu plus loin derrière, quelques références pour Tina Bowman mais qui ne sont pas forcément récentes. Dernière victoire sur distance Ironman, c'était à Lanzarote en 2007. Tina Bowman finlandaise qui pour l'instant est en troisième position, je pense que cette position doit lui convenir. Victoire du Half Challenge Barcelone, c'était ici même en 2010, donc elle connaît les lieux, elle connaît effectivement le tracé. Eva Vouti en bleu, Lucie Reed en blanc et noir, et ces deux femmes ont vécu la dernière course à laquelle elles ont participé ensemble, c'était à Copenhague, lors de l'Ironman de Copenhague cette année. Lucie Reed avait pris la troisième place, Eva Vouti avait terminé première, donc j'imagine que dans la tête de Lucie Reed, ça doit commencer à être un peu pesant. Ouais, mais c'est surprenant qu'elle mène la course comme ça alors qu'elle s'est fait rattraper. C'est pas elle, sur le papier, c'est pas elle la favorite puisqu'elle s'est fait déjà battre. Donc elle aurait tout intérêt à laisser Eva Vouti mener la course. La victoire donc pour Sergio Marquez, le temps 8h05-21. 8h05-21, c'est un temps hyper efficace. J'étais pas forcément venu ici pour m'imposer, c'était pas mon objectif principal. Je visais effectivement un podium. Après, il se passe ce qui se passe pendant la course, mais je me suis senti vraiment bien et au fur et à mesure de la journée, après la natation, après le vélo, j'ai vu que je pouvais effectivement espérer tirer profit de ma pointe de vitesse en course à pied et peut-être monter sur la plus haute marche du podium. Plutôt malin comme stratégie. Ouais, je pense qu'il compte beaucoup sur son marathon, hein. 2h38 au marathon. 2h38 au marathon, comme on le disait, hein, ça veut dire que si on court 3h ou 2h55, il faut prendre presque 20 minutes d'avance en vélo pour pouvoir espérer gagner, donc voilà, c'est compliqué, hein, sachant qu'il a quand même fait le vélo en 4h25, ça reste quand même des performances de très haut niveau. Tom Lowe prend la deuxième place, 8h07.50, 2 minutes 30 donc derrière Sergio Marquez. Et finalement, eh bien Constantin Bachor va réussir à monter sur la boîte, monter sur le podium, puisqu'il termine troisième après 8h11.23 d'effort et un marathon couru en 3h. Ouais, c'est des bons marathons, mais ce qu'il y a, c'est que quand on a un adversaire au départ où on sait qu'il va peut-être faire 2,45, voire 2,40, voire même un peu moins, c'est un stress supplémentaire si on a l'espérance de vouloir gagner cette course. Bachor, il a un petit peu de mal à se redresser sur la droite, là. J'ai l'impression que ça lui fait mal un peu plus bas. La victoire pour Eva Vouti qui franchit la ligne après 8h51 d'effort. Ouais, belle course, belle stratégie. Elle ne s'est pas affolée à la sortie de la natation. Elle a fait une partie de son retard. Elle est revenue sur la course à pied. Elle a laissé Lucie mener la course, un peu comme sur l'Ironman de Copenhague où elle était revenue sur Lucie. Et puis au moment voulu, elle a accéléré pour prendre la tête de course. Elle est un peu quand même marquée par la performance qu'elle a réalisée.
Et bien sûr, elle s'attendait à ce que ce soit effectivement physique, mais vélo et natation plutôt à son aise. Et puis après, sur le marathon, en connaissant ses capacités sur cette distance, avec le soutien du public, elle a fini par revenir sur Lucy Reed, qui termine deuxième. Lucy Reed en 8h57 et 34 secondes. La troisième, donc, sera Tina Bowman. 9h23-16, c'est quand même un tout petit peu plus loin. Et puis surtout, ce qui compte, c'est que cette épreuve-là a été support des championnats d'Espagne de full distance. Et chez ces messieurs, c'est Richard Caillé-Martinez qui donc devient champion d'Espagne en full distance chez ces dames. C'est Gurutze Frades qui est désormais championne de France, championne d'Espagne, full distance. Gurutze Frades qu'on avait suivi, on se souvient, sur le Naturman de Narbonne il n'y a pas si longtemps. Ravi de cette performance, de ce titre, de ce nouveau titre, parce qu'effectivement en Espagne, elle est sans doute celle qui, sur la distance, est pour l'instant la plus prolifique. La vérité est que la valoration est très positive. Très heureux aussi, bien sûr, pour ce qui concerne Richard Caillé-Martinez, avec un marathon couru en 2h50, pas mal aussi, pour celui qui avait pris une 20e place chez vous à l'Alpe d'Huez sur le court distance cette année, Cyril, un athlète semi-pro en quelque sorte. Les temps, les écarts, chez ces messieurs, puis chez ces dames. Et la journée est loin d'être terminée. Je vous le disais, un peu plus de 1600 compétiteurs. Le dernier devra franchir la ligne d'arrivée en moins de 16 heures. Il faut être solide, il faut être patient. Il faut savoir que c'est une expérience à laquelle on a dédié pas mal de temps, pas mal d'énergie, qu'on n'est pas tout seul, que les uns et les autres ont soutenu des heures et des heures de préparation, que ça a été un projet porté par un groupe, donc il faut juste vivre son aventure jusqu'au bout sans essayer d'aller trop vite. Ouais, il faut faire sa course. Faut pas chercher à vouloir aller trop vite, surtout au départ. Il faut faire sa course. Il faut se rappeler des moments qu'on a passés à l'entraînement, des sensations qu'on a eues pour justement ne pas griller ses cartouches trop tôt, quitte à pourquoi pas se lâcher dans les derniers kilomètres, même si on le sait, c'est très très compliqué, la barrière du 30e kilomètre sur la distance Ironman, sur le marathon, est très très dure. Pareil en vélo, après le 120-130e kilomètre, ça commence à être dur, et souvent les 30 derniers kilomètres en vélo sont pénibles. Alors il faut découper sa course, la faire par étapes. On commence déjà par la natation. Après, sur la partie vélo, pareil, il faut essayer de bien étudier le parcours. Alors même si on n'a pas le temps de le faire, l'étudier par rapport à une carte et se dire voilà, jusqu'à tel endroit, je me donne temps, ou j'essaie de rester sur un certain rythme. Et puis après, en fonction des sensations, on avance comme ça. Donc on découpe sa course, que ça soit en vélo et sur le marathon comme ça, pour aller comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. On assiste à des scènes un peu surprenantes, enfin même souvent surprenantes, parce que lorsque l'on voit cette ligne d'arrivée à portée de regard, on oublie forcément ce qu'on a vécu avant, et puis on se projette dans une sensation de plaisir intense qui parfois nous amène à agir ou réagir de manière incongrue. Ouais, c'est vrai que des fois on réfléchit ou on pense à cette ligne d'arrivée pendant des kilomètres avant, on se dit voilà, je ferais bien un petit geste comme ci, un petit geste comme ça, puis au moment où on arrive sur cette ligne d'arrivée, au final c'est pas du tout ce qu'on avait pensé, on fait différemment, et voilà, c'est propre à chacun. Alors souvent on essaye de repérer dans le public la famille, un proche, pour marquer, pour lui montrer sa joie, parce que c'est avant tout une réelle joie que de passer cette ligne d'arrivée. C'est énormément de travail en amont, d'entraînement et de préparation. Et pour les derniers, ceux qui vont effectivement passer la barrière ou rester à l'intérieur de la barrière des 16 heures, profiter de la présence de tous les professionnels, de la présence de tous ceux qui auront eu l'occasion de se doucher, se sécher, se faire beau en quelque sorte, et de réaliser les uns à côté des autres une véritable haie d'honneur pour ces derniers, je dirais pas survivants, mais ces derniers coureurs qui finalement vont tout simplement atteindre leur objectif.
Le sourire sur les visages, et c'est comme ça que ça va se terminer, Cyril. L'année prochaine, juillet, 9e édition de l'Alpe d'Huez. 9e édition, ouais, donc les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà 250, presque 300 inscrits, donc voilà, ça s'inscrit. Bon, c'est essentiellement des étrangers qui s'inscrivent, qui préparent déjà leur voyage. On a fait une très très belle édition. Voilà, on est prêt à accueillir les athlètes. On essaye de répondre au mieux à leurs demandes, les athlètes qui cherchent des hébergements, savoir comment venir à l'Alpe d'Huez. Donc voilà, c'est la période où on informe au maximum nos athlètes. Les saisons de triathlon sont non pas de plus en plus longues, mais sont quasiment maintenant continues, du mois de janvier au mois de décembre. Pour ce qui concerne l'antenne de Sport Plus, le prochain rendez-vous, ce sera l'Elbaman, une épreuve qu'on a déjà couverte à plusieurs reprises, direction donc l'Italie, l'île d'Elbe, elle aussi qui offre un décor pour terminer en l'occurrence d'un point de vue sportif, qui offre un décor vraiment, vraiment agréable. Ouais, un décor vraiment, vraiment agréable, en effet, très, très intéressant. Je pense qu'en effet que c'est une belle destination pour fin de saison, un triathlon qui est bien placé dans la saison parce que c'est un triathlon assez compliqué quand même. C'est pas un parcours facile. Par contre, la destination est en effet magnifique puisque c'est très proche, c'est en Europe, donc c'est très intéressant. Et en dépit des difficultés, en dépit des longueurs, et parfois pour prendre comme exemple cet athlète qui va en terminer avec un temps qui va avoisiner les 16 heures, en dépit de la longueur et de la difficulté, on a quand même enregistré, emmagasiné, fait le choix de venir à tel ou tel endroit pour justement profiter d'un cadre, d'un, je dirais, service. Donc ce ne sont pas des épreuves qui sont prises comme ça au hasard. Non, en général, les athlètes, ils choisissent une épreuve en fonction aussi de leurs affinités. Il y en a qui aiment bien la chaleur, d'autres qui préfèrent des conditions beaucoup plus faciles. Et puis on essaye aussi de trouver un choix de destination si on se déplace en famille où tout le monde pourra trouver une activité à son compte. Il a fait le choix de venir ici à Barcelone, tenter sa chance sur ce full distance. Bien lui en lui a pris parce qu'il est passé, mais il est passé non pas de quelques secondes, il est passé tout simplement sous la barrière des 16 heures et maintenant il peut savourer cette performance, ce défi relevé et vaincu avec effectivement tout le petit monde et notamment, et c'est une manière, je dirais, très agréable que de voir ces professionnels saluer aussi ces amateurs lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée au bout d'eux-mêmes. Ouais, c'est une belle démarche, les organisateurs, les athlètes, tout ça mélangé pour accueillir les derniers, je pense que c'est des belles images. À la semaine prochaine, salut. Salut.